Bonjour, bienvenue à Bernon, dans cette maison idéalement placée pour un gîte à deux pas de Chaours, dans le village de Bernon, en face de l'église du village, réputée pour être très calme. En chambre d'hôte, en gîte, vous verrez la division facilement de cette maison. Donc, comme vous voyez, les extérieurs typiquement de notre secteur. Vous avez ici une première allée avec une cour que nous verrons tout à l'heure. Ici, une première porte d'entrée qui est le salon. C'est une maison qui a été une ancienne forge qui est restée dans son jus. En l'état, vous avez un plafond au-dessus qui est complètement isolé, avec en mode de chauffage cette fameuse ancienne forge. Donc, comme vous voyez, il y a du double vitrage partout. Il n'y a vraiment que des travaux de rafraîchissement à prévoir. Ici, vous avez une cuisine équipée, aménagée, on va dire, avec des placards intégrés. Toujours double vitrage électrique. Ici, vous avez une porte d'entrée supplémentaire qui donnait donc sur les extérieurs et devant l'église. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la suite parentale avec un réel four à pain. Donc derrière ce meuble, vous voyez par l'extérieur, et je serai ravi de vous le montrer pendant une visite, un four à pain avec une salle de bain privative, avec toilette et douche, et toujours avec du double vitrage aux fenêtres, des poutres au niveau des murs, des plafonds, des huisseries d'époque. Et par cet intermédiaire, c'est vrai que là, vous refermez et c'est très facile de diviser la maison en deux, puisque vous avez un salon, une cuisine et une chambre, une salle de bain. Ici, vous avez un couloir d'accès, toujours sur le jardin que je vous ai montré en début de vidéo, donc un long couloir avec une toilette, une salle de bain à côté. Vous avez ensuite ici une grande chambre où là, c'est pas du tout porteur, c'est en bois, donc ça peut complètement s'ouvrir. Toujours ce double vitrage. Je vous montrerai le jardin de l'autre côté. Donc ici, vous voyez, c'est des placards en bois, ça saute facilement. Au niveau cloison, on voit bien qu'il n'y a rien du tout, donc c'est une grande pièce. Et ici, vous avez encore une autre porte d'entrée qui peut être avec la cheminée, un séjour, une cuisine. Donc, c'est ce qui est idéal pour un gîte. Vous pouvez habiter dessus ou faire deux habitations pour faire du locatif dans le Chaoursois. Ici, vous avez donc des emplacements de stationnement. Ça vous en fait trois avec celui-ci, où il y avait la porte d'entrée. Avec le long couloir, donc ici vous avez un emplacement, deux et trois emplacements. Ici vous avez donc une grange où vous avez la chaudière quasi neuve au fioul, un cumulus d'eau chaude, vous avez une porte pour aller dans le jardin extérieur, la cuve à fioul ici et pour le moment beaucoup de bazar, une charpente champenoise pour la grange. Vous avez ensuite en face un petit atelier. Un petit atelier et sur la droite, vous avez une cave. Je vous montre le jardin. Il est mort. Donc là, c'est toujours les emplacements pour les voitures. Mais vous pouvez également vous garer dans la rue, donc c'est très pratique. Ici, donc, vous avez l'accès au grenier par cette échelle. Vous verrez que c'est bien isolé. Donc, ici, l'entrée
où on est rentré tout à l'heure. Nous avons une entrée ici, une autre entrée là. Vous avez le four à pain que je vous ai montré de la chambre qui est juste là. Bon, la tonte devrait être faite peut-être ici quelques jours. Et ici, voilà, vous avez tout le jardin d'environ 900 mètres ou 1000 mètres. Voilà. Eh bien, j'espère à bientôt. Je suis joignable au 06 50 2 fois 29 98 pour une visite ou une offre d'achat. À bientôt.